Et yo, c'est MCGX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir ces deux colis Razer Fake. Donc on va pas, comme d'habitude, prendre du temps à ouvrir ça. On va vraiment ouvrir ça, puis voir si vraiment ça fonctionne et tout. Puis après on va faire du gameplay, parce que ça nous intéresse vraiment de savoir si la souris est de bonne qualité ou pas. Donc j'ai commandé un produit Razer de contrefaçon. Ça c'est vraiment de la contrefaçon par contre. C'est vraiment genre contrefaçon. Mais ça par contre, ça a l'air d'être du vrai. Franchement, ça a l'air d'être du vrai. Et ce que j'ai vu avant de faire la vidéo, c'est que le produit était quand même de qualité. Enfin la boîte était de qualité. Du coup on va voir ça tout de suite les amis. N'hésitez pas à venir sur mon TeamSpeak pour rien qu'avec moi et pour me parler. Mon TeamSpeak c'est ts.lotary.net. L'IP sera en description. C'est très important, après cette vidéo je serai probablement dessus. Donc venez, vous pouvez voir que la boîte elle est quand même vous pouvez voir que le logo des Sader là il réfléchit bien, vous pouvez le voir tout de suite là hop. Donc voilà, c'est une vraie boîte pour l'instant. Vraiment c'est une vraie boîte. Donc on va voir ça tout de suite les amis. Par contre ça m'intrigue de ouf de savoir si la souris est de bonne qualité ou pas. Je pourrais vous mettre le lien de la des Sader dans la description, mais pas le lien du tapis de souris, parce qu'en fait on n'a pas le droit de vendre de contrefaçon en France. Enfin genre machin, genre je préfère être en règle tu vois. Et du coup bah je pourrais pas vous envoyer, enfin vous mettre le lien du tapis de souris. Mais par contre de ça je pourrais, parce que c'est vraiment un vrai produit. C'est pas du fake. Enfin normalement tu vois, déjà à première vue, c'est juste que genre c'est la version Overwatch. Quel fils de pute. Tu ne mangeras pas ce mois-ci. Ta gueule. Putain c'est pas possible. Y'a des commentateurs derrière. Tu te rends compte ou pas que tu gâches le truc. Tu me coupes. Bonsoir, Thalassa vous invite ce soir à un périple extraordinaire entre le Mexique et les États-Unis. Ok, on va l'ouvrir. Par contre, j'ai vraiment très peur hein, de savoir si je me suis fait couiller ou pas. De toute façon, c'est 10 balles. Même pas 10 balles, je crois, je l'ai eu. Donc pour 10 balles, vraiment, c'est rien du tout. Hein. Vraiment, un produit Razer comme ça, pour 10 balles, c'est rien du tout. Hein. Ok, on va le sortir. J'ai une main, donc c'est un peu complexe. Je suis désolé, les amis. Donc voilà la souris pour l'instant. On va la sortir tout de suite parce que ça m'intrigue vraiment. Ok, on la sort. Ah non, faut faire passer le fil. Ok, on doit faire passer le fil. Alors déjà, pour moi, c'est du vrai. Clairement, pour moi, c'est du vrai. Et ouais, ouais, pour moi, c'est du vrai pour l'instant. Tu vois, genre, y a pas de défaut. Niveau clic, y a pas de défaut. Mais putain, fils de p***, j'arrête pas de m'appeler. Non, bah alors, non, c'est bon. Allez. Ah, tu m'as énervé. En fait moi ça m'intrigue vraiment de savoir si c'est du vrai ou pas, parce que pour le prix que c'est, genre c'est rien du tout. Un produit Razer pour 10 euros, c'est rien du tout vraiment. Ça doit être un truc de déstockage je pense, je sais pas du tout. Mais ouais franchement c'est chelou. Le fil est tressé aussi, bah comme sur la souris normale tu vois. Après peut-être que c'est une souris reconditionnée, je sais pas du tout. Je vais voir ça en direct avec vous les amis pour voir s'il y a des défauts. On va le tester en game sur Fortnite aussi. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que je compte vraiment présenter d'autres produits What the Fuck comme ça. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est très important. Alors personnellement il faut savoir que je joue pas à Overwatch. Franchement je m'en tape un peu du logo, mais pour ceux qui jouent à Overwatch c'est un point positif en plus. Donc voilà, il y avait que la version Overwatch qui était disponible je crois pour cette souris sur Wish. C'est un truc de malade aussi ça, ça me casse les couilles. C'est vraiment des fils de pute. What the fuck, comment ils ont copié. Mais non genre je te promets gros, ça se voit. Non non franchement, pas faire le mec, mais ça se voit de ouf, c'est cramé, genre, il y a même une marque rouge là, gros, t'es fou, gros, il y a une marque rouge là, il y a un vieux logo qui, je sais pas ce que c'est, il m'a l'imprimé, mais ah, je suis KO. Bon, en même temps, normal, tu vois, c'était sur AliExpress, j'ai fait exprès en même temps, j'ai cherché un petit peu. Bon, ouais, par contre, c'est un peu dégueulasse, parce que là, vous avez la souris comme ça, et en haut, il y a le logo à moitié à l'envers, donc c'est vraiment dégueulasse là pour le coup. Je sais même pas si ça va aller, mais voilà, en tout cas, bah, voilà ce que ça donne, un tapis de souris fake. Mais putain, bande de fils de pute, avec vos applis SFR. Donc voilà la qualité un petit peu, je vous montre avec mon téléphone parce qu'il a une assez bonne qualité. Mais vous voyez que pour pas se faire cramer, ils ont un peu modifié le Z. Je sais même pas si le nom il existe, en fait ils ont modifié aussi le logo là-bas. Ils ont mis un point rouge et ils ont mis le logo comme ça à l'envers. Enfin en fait de base le tapis de souris tu vois, dans la norme il se tiendrait comme ça vu que le logo il est comme ça. Et du coup en fait ça ferait que ça c'est à l'envers. Et en fait pour remédier à ça, en fait les gens qui l'achètent, mais en fait ils vont le mettre comme ça. Ça c'est à l'endroit tu vois, c'est ce qu'ils veulent et leurs marques sont à l'envers. Donc en fait les gens utilisent le tapis de souris à l'envers. Bref sinon il a l'air de bien glisser pour l'instant. Bah je suis pas avec ma souris normale. Donc il a l'air de vraiment bien glisser pour l'instant. On peut le voir sur l'écran tout de suite que il a l'air de bien glisser. Alors j'ai vraiment hâte de le tester en jeu, mais clairement je suis assez choqué d'avoir une souris comme ça tu vois, genre sur Wish pour si peu que ça en fait, c'est ouf. Ouais les gars, donc retenez bien la phrase qui va suivre. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus légère, c'est bizarre. Donc voilà, retenez-la bien et regardez la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve en jeu les mecs, et puis à tout de suite. Franchement portez-vous bien, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous c'est très important. Je compte vraiment refaire ce genre de vidéo, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous invite à vous abonner et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je fais beaucoup de vidéos unboxing, donc si vous êtes intéressé par les produits gaming et tout, bah abonnez-vous. En sachant que des fois
fois je publie des textes en mode il y a des réductions et tout sur Amazon et je fais ça fréquemment, genre tous les jours. Donc pour ceux qui cherchent des bonnes affaires, et bah abonnez-vous à ma chaîne et vous verrez qu'il y a des trucs qui sortent un peu régulièrement. Donc voilà, on va tester le produit Razer sur Minecraft et puis on se retrouve à tout de suite. Et puis on se dit bisous, on se retrouve en jeu. Et on se retrouve en jeu. Alors je crois avoir le pourquoi du comment, ça c'est un peu nul en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait le truc, je crois que en fait ils ont juste pris le design, tu vois, genre ils ont acheté le design, tu vois. Et en fait ils ont mis genre un vieux capteur à l'intérieur, je crois c'est entièrement ça. Ils ont mis un vieux capteur en fait, une souris à 2€, puis après ils l'ont revendu. Je pense à 100% que c'est ça. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus légère, c'est bizarre. Parce qu'en fait il y a un bug qui se produit avec les souris de Wish, c'est quand tu tournes vite. Et bah genre ça reste fixe et c'est pour ça. Donc faites gaffe si vous voulez acheter cette souris, c'est vraiment pour le fun parce que pour l'instant j'ai trouvé un point négatif. Wish. Tu sais que ces bâtards ils font de la pub partout, hein. Je sais pas, j'écoute une musique, j'ai de la pub de Wish là sur YouTube. Bah c'est normal comme ça après parce que vu qu'ils voient que c'est pas cher, du coup il y a plein de gens qui achètent, il y en a plein de gens qui font des pubs, enfin bref. Effectivement, bien vu. Ouais, sauf que je suis pas aveugle. Donc ça c'est mon pack, et bah je le release dans la dernière vidéo là, la vidéo sera sortie. Donc si vous voulez le pack, bah allez voir la dernière vidéo et regardez s'il est release ou non. Après on va faire un test sur Fortnite. Vas-y. Tu j'ai que la souris sur Fortnite. Ouais. Mais c'est quoi cette merde là? Regarde ce qui reste sur Minecraft. Bah il reste que des miettes quoi. J'avoue. J'ai que des miettes. C'est les restants gros, t'es fou gros. Putain de merde. Wesh, wesh, shit gros. Oh oui, 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 effectivement, oui. Mais fils de... En fait, il y a le clic de la Razer et tout, mais pas le capteur. Enfin, le capteur, c'est sûr. Ouais, putain, la cam, vas-y, tombe, gros connard. C'est un truc de ouf, cette cam de merde. Y'a... Mec, faut que je m'achète une souris, faut que je m'achète une souris, faut que je la commande bah, sur Wish. Achète, achète des adhérents sur Wish, ce que j'allais dire. Non, il y a vraiment des adhérents sur Wish, c'est le quota là. Mais oui. Et... Ouais, par contre, lui, c'est des adhérents, il l'a acheté sur Wish, là, c'est sûr, à 100%. Oh, fils de pute. J'arrive. Je suis là, Jackie. Mais sans cheater, laisse tomber. Mais allez. Merci, une pute. Oh merde. Oh bah on... Non. Tiens, fils de p***. Elle clique une fois sur 10, ça, je comprends pourquoi elle coûte pas cher. Voilà. Tiens, voilà, sans ton cheat, connard. Là, attends, pas, laisse-moi le taper. Laisse-moi aller sans cheater. Mais c'est un bête de cheater par contre, c'est... ça rend ouf les gens comme ça. Il prend pas. Oh, il rend ouf! Tiens! Non, mais mec, en fait, je ne cheat pas, absolument pas en fait. Je peux pas du tout modifier ma connexion, je vois pas de tout faire là. Ça t'a bleu! L'autre! Merde. Vite! Prends! Moi, je peux pas! Ils sont 800 et y'a un cheater! Y'a un cheater, mais le cheater, tu le recules! Tu le recules, t'es GX gros, t'es un cheater V2, c'est bon! Mais! Wouah! Le cri! Rudbyman mon frère. Je dis attends, tu sais avec mon compte youtubeur, je lui dis je te spec stop shit et mec genre il s'en va relais dans les couilles hein. C'est la succombé comme. Attends, tu vois la vidéo du bébé qui mange la cape. Et un mec c'est un bâtard, il a fait un remix là mais you dead. Ah oui j'ai vu. Tiens bande de fils de pute, allez. Allez toi dans le cheater non. Tiens dans les chiottes. Allez Louis, saute. Saute Louis. J'ai Louis. Tous pour lui. Ah c'est pour ça. Ah j'ai Auguste, genre mais Auguste normal tu vois genre sans. Ah du coup on se retrouve sur Fortnite les chiens puis voilà mets un pouce bleu. Tu casses les couilles hein avec ton PC à 3 francs 6 sous. Casse les couilles là bête. Oui son PC il accroche. Non. Tu fais truc, enfin tu fais gérer. Attends, et après. Comment l'insulte de fils de pute? Attends, bouge pas l'insulte, comment on fait? Allo. Ouais, attends toi. Pourquoi il parle pas? Non, il casse les couilles oh, Fox. Mais putain t'as quitté. Tiens, casse-toi mon frère. Eh, arrêtez de venir, j'entends aucune personne, c'est horrible.
Pourquoi c'est pas les... Vraiment j'en ai... Oh c'est de la merde ton jeu. Mais comme toi frère. Y'a un mec, je suis mort. Bravo. En fait, ta gueule, allez, c'est bon, ton jeu de merde là, Fortnite, c'est quoi ça? C'est prêté bien, mais waouh. Ça me casse les couilles, alors lui il est mort. C'est horrible, hein. Y'a pas photo les mecs, hein. Bon bref, moi je vous laisse. Le produit en fait, ils ont juste remplacé le capteur par un vieux truc. Et c'est pour ça, ça fait un aspect un peu dégueulasse. Genre par rapport à ma G502, quand je tourne un peu dans le spawn, ça fait vraiment dégueulasse. Bref, je vous mets le lien officiel de la souris pour que vous voyez la différence de prix. Le design ne change limite pas, à part les lumières en fait. Et du coup là, je sais pas du tout comment ils ont fait pour avoir le vrai produit Razer et tout enlevé. C'est vraiment des malades. Bref, moi je vous laisse, merci d'avoir regardé. C'était sympa, c'était GX. Retrouvez-moi sur Twitter et puis on se dit bisous, à la prochaine.